le bruit et la foule des grandes mégalopoles, difficile d'imaginer s'évader en pleine nature sans devoir traverser tout le pays. À Paris, il n'y a ni montagne ni océan, et pourtant, d'autres merveilles sont juste là. En suivant quelques Parisiens, nous avons réexploré les alentours à moins d'une heure de transport en commun. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Je suis parisienne actuellement, après avoir grandi dans les Yvelines. J'accompagne les acteurs de l'outdoor, du sport, dans leur communication événementielle. Alors, j'ai commencé le vélo, c'était pas vraiment le sport que j'imaginais faire. J'ai fait une chute étant enfant, donc ça m'a toujours un peu bloqué. Mais il se trouve que je pratiquais la course à pied. J'en suis venue au triathlon par la suite. Et du triathlon, bah, y a le cyclisme. Donc j'ai commencé en m'entraînant pour le triathlon. Et aujourd'hui, bah, je n'arrête pas de rouler. C'est devenu un de mes sports principaux et j'en profite. J'ai un cercle d'amis qui roule pas mal. Je roule rarement seule, même si c'est quelque chose qui me tend très bien d'aller pousser un peu les distances toute seule. Mais oui, je roule essentiellement avec mes amis, mon compagnon. Voilà. Adoré la montagne, toujours adoré l'outdoor. D'ailleurs, je ne me suis jamais imaginé vivre à Paris après mes études. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'y suis. Et je vis à Paris intramuros désormais. À travers le vélo, en fait, je recherche ce côté nature. Les bruits, les odeurs qu'on retrouve en forêt et qu'à Paris, on n'a jamais. Toutes ces routes d'Île-de-France, on n'y va jamais. Soit on y va en voiture et on passe sans rien regarder. Soit on n'y passe pas. Et en vélo, en fait, bah, on a une vitesse qui fait qu'on peut observer les paysages. Il y a une richesse de villages un peu pittoresques qui sont juste incroyables, en fait. Parfois, j'utilise des applications comme Strava ou Komoot. Je fais moi-même mes traces, voilà, je prépare en amont. Mais après, sur Paris, il y a pas mal de groupes de vélos, donc on peut directement partir avec eux. Et puis simplement de partir au hasard, enfin, que ce soit en partant en train, en arrivant à une gare et puis en allant découvrir un coin. On l'a vu. Ouais, je pense que la vanne, ça doit être ça. On s'est juste planté avant. Ouais. Ouais, on part par là. La vallée de Chevreux, c'est quand même l'un des spots idéaux pour les cyclistes. Il y a du dénivelé, comme on le voit là, il y a des paysages magnifiques. Il y a plein de coins qui sont moins connus, mais qui sont juste formidables. Le Vexin, c'est un endroit où je suis tombée amoureuse en le parcourant. Quand on va vers Chantilly, dans le nord, enfin, vers Fontainebleau, il y a énormément de coins très très sympas. Alors, il y a des essentiels, le casque, ça c'est une base, toujours avoir une pièce d'identité sur moi, le passe Navigo pour revenir éventuellement s'il y a un souci. Et puis, j'ai toujours une petite pochette dans laquelle j'ai des monte-pneus, quelque chose pour changer une chambre à air et de quoi gonfler mon pneu si j'ai besoin de le changer. Quelqu'un qui habite à Paris et qui veut se lancer dans le cyclisme, déjà, je lui dirais d'oser. Il y a moyen de trouver des vélos qui ne sont pas très chers. Prendre un vélo, un cuissard, puis un casque, globalement, on peut y aller. Juste prendre confiance sur des petites routes. Justement, le fait de pouvoir sortir de Paris en RER, arriver à une gare et être sur des plus petites routes, c'est une manière facile de commencer sans avoir la sortie de Paris qui est beaucoup plus compliquée. Stéphane, 29 ans, j'habite Charenton. J'ai une formation de graphiste à la base, mais depuis 2 ans, je fais de l'astronomie.
Pour bien préparer ces observations, il faudra télécharger le logiciel Stellarium, qui est gratuit et là qui permet de comprendre tout le ciel qu'on aura demain, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 800 ans. Depuis 2 ans, j'interviens sur des séjours, en fait, premièrement, pour des personnes en rémission de cancer, où pendant une soirée, on va parler du ciel, on va observer Saturne, les anneaux, la Lune. Et en second temps, j'emmène des groupes en pleine forêt, ça s'appelle les astrobivouacs. En gros, on marche, on s'enfonce dans la forêt, on campe et on passe la nuit à observer les étoiles. Pourquoi quitter Paris le week-end ? Eh ben, tout simplement pour retrouver un peu de calme. Vu que c'est agité toute la semaine, c'est très dynamique Paris, du coup, c'est cool d'aller se poser un peu, retrouver un peu l'horizon. Puis découvrir plein de coins autour de Paris qu'on ne connaît pas, des petites forêts, des rivières qu'on peut descendre en kayak. Pour moi, les meilleurs coins en Île-de-France pour observer les étoiles, c'est le fin fond du Vexin, les champs, tout ça. La forêt de Rambouillet, la forêt de Fontainebleau, parce qu'on est un petit peu loin de Paris, et du coup de toute pollution lumineuse. Et on a un ciel assez correct à 40 minutes de Paris. On va se poser ici, c'est pas mal pour camper et puis surtout pour observer, parce que c'est assez bien exposé. Parce qu'on a l'ouest là-bas, donc le soleil se couche là-bas. Là on a le sud et là l'est. Du coup les planètes font la même trajectoire que le soleil et la lune dans le ciel la nuit. Du coup on les aura pile poil ici cette nuit, donc on est parfait. On a le lac en face, puis on aura les planètes au-dessus. Même en plein Paris, à Châtelet, on peut observer très bien Jupiter qui est en train de se coucher. Et avec une paire jumelle, on voit les 4 lunes principales. Niveau matériel en astronomie, ce que je recommande souvent, c'est de commencer avec des jumelles, des 7x50 par exemple. On peut très bien observer les lunes de Jupiter, l'anneau de Saturne, les cratères lunaires. On peut avoir des bons télescopes pour 300, 400 euros, 500 euros. Pour repérer un bon site d'observation astro, il faut regarder des cartes si on ne connaît pas le lieu. Et trouver les zones qui vont être dégagées, surtout au sud, est et ouest, parce que c'est là où vont passer les planètes et la Lune, donc il faut bien que ce soit dégagé à ce niveau-là, et que ce soit un petit peu en hauteur, pour qu'on ait suffisamment d'horizons dégagés. Et puis voilà, pas trop proche des villes au sud, pareil, pour pas qu'on ait trop de ciel rose-orange. Ma démarche à travers les astrobivouacs, c'est de rendre le plus accessible possible l'astronomie. Pas loin de chez soi, du coup, on prend le Transilien avec le Pass Navigo, on part 1 heure en train et on arrive à une forêt autour de Paris, en pleine nature, et observer tranquillement. Donc c'est simple, c'est facile d'accès. Il faut laisser 5 minutes maintenant reposer. Donc là, le porte-oculaire sert à insérer les petits oculaires en fonction du zoom qu'on veut avoir sur ce qu'on observe. Les manettes, du coup, ça sert à orienter les deux axes du télescope. Là, du coup, on est en train d'observer la Station Spatiale Internationale. C'est un petit vaisseau qui se balade à 400 km d'altitude. Il y a 3 voire 6 astronautes qui sont en train de tourner autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h. En gros, tous les jours, ils font 16 fois le tour de la Terre. L'astronomie, ça m'est venu tout petit, quand j'avais 10 ans, je pense, grâce à un super bouquin sur l'espace, qui s'appelle L'imagerie de l'espace, qui retrace toute l'épopée des États-Unis, puis qui explique toutes les planètes, avec plein d'aquarelles, ça m'a bien marqué. Et là, on fait une petite pause, on va aller se coucher. Il est 23 h et on va se relever à 4 h du mat pour voir Jupiter et ses 4 lunes principales
les Saturnes avec les petits anneaux. Du coup, on vient de se lever, il est 5h du matin là. Je vais mettre le télescope dessus, sur la Lune. Après la Lune, du coup, on va mettre le cap sur Jupiter. Et là, on voit bien les quatre petits points. Il y a un petit bouquin qui m'a vachement inspiré, que j'ai lu quand j'avais 20 ans. C'est un petit bouquin d'Hubert Reeves. Lui, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué dans sa démarche parce qu'il est très ancré sur Terre et en même temps, il fait beaucoup d'astronomie. Du coup, il est hyper équilibré entre les deux. Et son petit bouquin s'appelle « L'univers expliqué à mes petits-enfants ». L'astronomie, ça représente l'immensité, ça représente des échelles qu'on ne comprend pas trop. Nous, tout petits humains, on est sur Terre et c'est incroyablement immense autour. Et que nous, on est sur une petite bille qui s'appelle la Terre. Et quand on y pense, qu'on est posé là sur notre petit plan de terre, il y a autant d'étoiles, même quand il fait jour, au-dessus qu'en dessous, qu'à droite, à gauche. Enfin, on est dans un tout et tout ça bouge tout le temps. Et c'est permanent, c'est quotidien, on est dedans, on en fait partie. Et c'est ça qui est impressionnant. Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans. Ça fait 4 ans que j'habite à Paris maintenant. Et je travaille en plein cœur de Paris aussi, dans l'univers de la mode. Et je suis la cofondatrice du collectif Les Exploreurs. Je m'appelle Adrien Plot, j'ai 27 ans. Je suis photographe et j'habite à Paris. Je suis aussi le fondateur du collectif Les Exploreurs. J'adore Paris, mais au bout d'un moment, on étouffe un petit peu. Et c'est vrai que j'ai besoin de temps en temps de sortir de Paris, d'aller profiter un petit peu de la nature pour m'aérer l'esprit, respirer un petit peu d'air. Et à Paris, on a quand même la chance d'avoir des forêts à proximité, notamment Fontainebleau. Alors, il n'y a même pas 40 minutes de Paris, donc c'est très accessible sur la journée. J'aime beaucoup me lever tôt le week-end, même plutôt qu'en semaine finalement, pour profiter justement de la lumière du matin et de l'ambiance matinale, que ce soit en forêt ou dans un autre type de paysage. En fait, on récupère ce sentier bleu là, ouais, qui monte et en fait qui va là. Tu me fais lever aussi tôt le matin, un week-end, sans hésiter la quête des belles lumières. Partir dans la forêt, l'explorer et essayer de profiter de la matinée pour choper les rayons du soleil qui se lèvent. Je shoote avec un petit hybride Olympus, très pratique à transporter. Quand je me balade en forêt, j'aime beaucoup tester un petit peu des photos macro. Donc j'ai trouvé un petit objectif pour le téléphone, un petit clip qu'on met dessus et qui donne un résultat assez bon. C'est assez impressionnant, on voit toutes les petites gouttes. Je suis en train de prendre en photo ces pins, qui sont donc du coup des arbres très rectilignes. Et en fait, avec le 12 mm, les perspectives sont complètement disproportionnées. Et ça rend la photo très intéressante. Pour moi, c'est une forêt qui est forêt très, très nature, assez sauvage, de par sa composition géologique. Il y a des forêts de pins, il y a des chaos rocheux assez impressionnants. Et je trouve ça superbe à photographier. Fontainebleau est quand même une forêt qui est traversée par pas mal de routes, que ce soit des départementales ou même l'autoroute. Et pourtant, pour moi, elle reste une forêt très sauvage et c'est toujours un plaisir de randonner et d'explorer ces coins les plus reculés. Je pars dans l'idée, surtout quand je me lève très tôt le matin, que je vais partir à l'aventure, explorer un lieu que j'ai jamais découvert. Et du coup, j'ai toujours cette soif, cette envie d'aller toujours plus loin dans mes photos et de capturer ces instants. Du coup, je peux m'attarder à la fois sur la photo de paysage au sens large, en utilisant des objectifs assez grand angle. Et avec mon autre objectif, le 24-105, je peux m'attarder sur des photos plus nature, sur du détail, sur un rocher ou la mousse d'un arbre.
Et en même temps, je peux faire des photos un peu plus portraits quand je vais avec, avec ma copine Anaïs me balader en forêt. Démesuré ce rocher. Et tout l'arbre à côté. J'aime voyager léger, ne pas m'encombrer d'un trépied, de 5 ou 6 objectifs. Je prends un à deux objectifs qui me permettent de pouvoir faire tout type de photos. Parfait. Parfait, parfait. En tout cas, avec la pluie, on a des belles couleurs maintenant sur les fougères en bas. Et avec le vert des arbres, ça contraste vraiment, c'est assez joli. Quand je me balade dans la nature, j'aime beaucoup prendre des photos un petit peu sur le moment, de ce que je vois, des paysages que je peux observer. Je ne suis pas forcément du genre à passer une heure à préparer la photo pour la composition, ni à les retoucher énormément. C'est plutôt pour garder un souvenir de l'endroit où j'étais, pour les partager avec mes amis, ma famille. Une des choses qui me fait le plus rire, c'est d'avoir des commentaires sur mes photos. On me pose la question où a été prise la photo et j'aime un peu perdre mon spectateur en lui faisant croire qu'elle a été prise à l'autre bout du monde alors que finalement elle a été prise à Fontainebleau à moins de 40 minutes de Paris. Je m'appelle Clément Lemot, j'ai 29 ans, j'habite à Paris depuis 10 ans et je suis entrepreneur. Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, je suis thésarde en anthropologie du tourisme à Paris depuis 2016, je suis originaire de Vendée. Généralement, je prends une carte et puis je regarde, il y a des taches vertes, puis je compose ma propre sortie. Moi, le point essentiel à chaque fois, c'est que ça soit le départ de transport en commun. Alors la randonnée, j'ai l'impression que je pratique depuis toujours, parce que j'ai beaucoup fait la rando avec mes parents. Partout, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central, sur la côte. Je fais de la course à pied en club, au Paris Université Club, et au sein d'une équipe qui s'appelle « Fais-moi courir ». Donc je m'entraîne sur Paris, dans les parcs parisiens et dès que je peux, je prends mon pass Navigo et je vais un peu plus loin en Île-de-France pour être en pleine nature et courir sur des petits chemins. Dans tous les départements autour de Paris, il y a des super trails très sympas. J'essaye de faire ces sorties-là avec des copains, des copines. Soit l'un de nous connaît un parcours sympa, ou alors on va sur des parcours balisés et on suit ce parcours balisé. On emmène toujours un petit sac à dos avec assez d'eau, quelques barres de céréales, des fruits secs, un peu d'argent, une carte bancaire et puis une carte d'identité, un portable bien sûr. Cette micro-aventure sur l'Ept, je l'ai découvert en prenant une carte. Tu te rends compte que tu peux relier une gare à l'autre. Et au milieu, tu vois qu'il y a des PR, des GR, et tu te dis, bah, finalement, je vais peut-être pouvoir passer par là. Et là, tu te rends compte qu'au milieu, tu as une rivière trop jolie, que tu as une société qui exploite cette rivière et qui propose de faire du canoë. Bah, tu les contactes, voilà, ça fait ta micro-aventure de 2 jours. J'étais jamais venue dans la vallée de l'Ept. C'est incroyable de se dire qu'on peut prendre le RER et se retrouver ici. C'est hyper vallonné, donc c'est vraiment une belle découverte pour moi. Thank you.
C'était vraiment cette envie de, bah, de m'évader, quoi, de trouver des choses un peu différentes que les grands parcs intramuros que tout le monde connaît, où tout le monde s'agglutine dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc t'as un terrain de jeu qui est énorme autour de Paris et il nous a fallu avec Marine un peu de temps pour découvrir tout ça. Bien sympa cette petite randonnée depuis Dangu. Là maintenant on est à Bray-Élu, ça fait 17 km, c'était bien cool. Et là on repart pour 5-6 km de course tranquillou pépouze, direction la bergerie de Villarceau. Et c'est là où on va passer la nuit, bien mérité. Non, chocolat chaud, les chocolats chauds, mais c'est rare. Allez, on c'est est parti. Allez, go. Pour moi, le trail, c'est avant tout de la course à pied. Il faut surtout, alors, d'une part, bien s'équiper, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le matériel qui nous correspond, ne pas chercher à avoir les chaussures à la mode. Il ne faut pas négliger la préparation physique. Je dirais qu'il faut commencer doucement, il faut y aller étape par étape. Faut, par exemple, pour le trail, il vaut mieux commencer 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, 2-3 fois, etc. Simplement parce qu'il faut, je pense qu'il faut éviter les blessures. Ce qui me fait quitter Paris le week-end, c'est d'avoir ce contact avec la nature, de plus être dans un environnement bitumé de la tête aux pieds et de pouvoir courir sur des sentiers. Donc j'aime bien pouvoir changer d'environnement et aller dans des forêts, au milieu des champs, voilà, ça change d'environnement. Une bonne micro-aventure pour moi, c'est une micro-aventure qui est accessible. Accessible, j'entends, en transport en commun, en temps. C'est pas cher, hein, c'est partir avec un sac à dos, avec un sac de couchage, c'est dormir sur un terrain de camping, puis c'est en pleine nature, quoi. C'est sortir un peu de sa zone de confort. Pour moi, une bonne micro-aventure, c'est de partir 2 jours et de rentrer en ayant eu l'impression d'être parti une semaine. Vraiment de changer d'environnement et rester quasiment en pleine nature sans croiser de ville aux portes de Paris. Pareil, du canoë, on n'imagine pas là, qu'on puisse avoir des rivières quasi sauvages. Il n'y a rien, il n'y a quasi aucune maison autour, mais tu t'éclates, quoi. C'est vraiment génial de trouver ce genre de paysage. Ce qu'on vient de faire, c'est quand même plutôt sympa. Je dirais plutôt que c'est une micro-aventure de dingo. C'est un peu un mix de rando, de trail, de canoë, sur des terrains complètement différents, entre des champs, sur des chemins de crête. Enfin, ce sont quand même des choses assez improbables, on va dire, en Île-de-France. À Paris, nous n'avons ni montagne ni océan. Et pourtant, notre région regorge de lieux naturels incroyables. Parisienne, parisien, il est temps de partir l'explorer.